what to do for me. Le sud des États-Unis. Dans un studio où viennent depuis des années tous les grands chanteurs blancs et noirs du monde entier, Brooke Benton, vedette de Harlem, enregistre. She stretches out her hand to me. When I'm despair, she's so cette porte est celle du manoir d'Elvis Presley. C'est un lieu de pèlerinage. C'est aussi la porte de Memphis, la ville où se fabrique le blues. Le sanctuaire du blues, c'est le studio Stax. Ici, des musiciens comme Steve Cropper et le bassiste Donald Dunn recherchent à longueur d'année le fond sonore que se disputent les plus grosses vedettes pour leurs disques. Chef de ce laboratoire, l'organiste Booker T. Tous ces musiciens sont nés à Memphis, vivent à Memphis, dans une atmosphère imprégnée de blues depuis l'époque des plantations. Dans une pièce voisine, la section des cuivres travaille sur une chanson de Carla Thomas. We did something different with that everyday people. We did something different with that everyday people. Oh, I know what we did. Steve played that time. I like me on the minor third, you on the seventh. Sure. Two, three. Qu'est-ce que le son de Memphis? Est-ce qu'il commence avec le vieux blues de Andy que Louis Armstrong a rendu célèbre? Ou bien tout simplement, est-ce qu'il se trouve dans l'âme des Noirs qui vivent près du Mississippi? Thank you.
What is this for you? Well, to me, as a writer, it is having a musical ear. I feel that I don't think it's really explainable because I couldn't very well say that it's something that everybody will feel if they come to Memphis, but I think that it is a feeling that more or less Memphians are born with, and it is something that is explored through the years, and it is now like abroad, it is everywhere. Like a king, I'm so glad, so glad, so glad. Keeps me on my feet. She knows what to do for me. Thank you, honey. She's all my dreams come true. Oh, she does all that she can do. I know the woman who cares. I know she cares.